Salut tout le monde, c'est Snipey44 pour la suite de notre aventure sur Dragon Ball Z Budokai 3 HD Collection là, je sais pas quoi, sur PlayStation 3 et Xbox 360, mais là on va jouer à la version PS3 du coup. Eh bien écoutez, c'est parti. Hop. Et voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va dans un premier temps tenter de débloquer Broly. Et ensuite, on va tenter, si le temps nous le permet, de débloquer Oob. En sachant que les deux, comment dire, les deux personnages sont débloquables uniquement dans la saga de Sangoku. Donc ça va être un peu chiant de revoir deux fois la même saga. Mais bon, là on a pas vraiment le choix. Donc je vais devoir, je vais rusher un petit peu, je vais passer les cinématiques vu qu'on les a déjà vues normalement quoi. Donc il va falloir que j'aille, je vais mettre le point du dragon à la place, directement à la saga de Boo. Donc je vais être obligé de faire les objectifs à la va-vite. Alors, par contre j'ai pas de carte, ah je me disais c'est bizarre. Alors ça fait un moment que j'ai pas rejoué à Dragon Ball, hein, étant donné que bah, j'ai joué à Pokémon et j'ai fait quelques lives d'hiver. C'est vrai que j'ai un peu laissé tomber Dragon Ball. Et là, bah, je tente de le terminer pour passer à autre chose. Prends ça. Ça serait cool de pouvoir commencer Final Fantasy VIII, n'empêche. Et ouais, je suis un... Ah non, merde. J'ai cru que j'allais me transformer en Super Saiyan. Mais non. Et voilà. Bon, Raditz, c'est fait. Il n'aura pas fait long feu. En plus, au niveau... demi-niveau, justement. Je suis plutôt... plutôt large là, je devrais pas avoir de mal à avancer. Alors j'espère que la soluce que j'ai pris est bonne, parce que sur jeuxvideo.com ils disent qu'il faut récupérer des boules de cristal, et sur une autre soluce que j'ai trouvé sur internet ils disent que il n'y a pas besoin des boules de cristal. Donc on verra bien, on croise les doigts. Allez, hop, on n'a pas, ça devrait être assez rapide lui aussi normalement. Alors pour le moment, hein, pour ceux qui regardent la rediff, il n'y a personne sur le live, enfin sur le chat, peut-être du monde qui regarde mais qui ne participe pas sur le chat. C'est pour ça qu'à droite en fait l'encadré pour le moment il reste blanc. Ne vous inquiétez pas, c'était pas un bug. Parce que là, pour moi, il n'y a personne qui parle, enfin, qui parle. Oh, ce finish. Enfin, normalement, il meurt. Voilà. Ah, peut-être que d'ici la saga de Boo, j'aurais pris un niveau. On verra bien. Hop. Donc là, on va se battre contre Vegeta. Ensuite, on va sur Namek, la saga des cyborgs, et ensuite Boo. J'espère ne pas me fail, parce que sinon ça va être chiant. Enfin, quand je dis me fail, c'est pas perdre en combat, hein. C'est plutôt bah, que la soluce soit mauvaise et du coup que je débloque pas Broly en faisant la saga. Ce serait vraiment chiant. Voilà.
ça. Et ne te protège pas, s'il te plaît. Voilà, ça c'est bien. Une barre d'énergie en moins déjà. Ah merde, bon, c'est pas grave. C'est déjà ça. Bon, ça a été plutôt simple. Et salut Matalia, enfin re, vu qu'on s'est parlé en privé. Donc la saga des Saiyans est déjà terminée, je vais essayer vraiment d'aller vite. Hein. Donc là, en moins de 10 minutes, ça a été fait. En espérant que les autres se soient aussi rapides. La saga de Freezer est plutôt longue, mais bon, avec Son Goku, on arrive contre Rikoum. Merde, c'était pas le combat. C'est pas grave. Ah merde. Ça c'est chiant, Matalia. Allez, Riku. Non, mon Kamehameha lui fait vraiment très mal. Par contre lui aussi. Eh, il va se calmer. On est marre. Voilà, prends ça. À tous les coups, il va se protéger dès le début. Au moment, j'ai de la chance. Salopard. What? Pourquoi il s'est pas pris? C'est passé à travers? L'ordinateur est vraiment nul à ces trucs là avec les sticks, même en très difficile. J'adore comment il recherche en qui. C'est vrai, il remue du popotin là. C'est assez marrant. Salut Audrey. Donc là, on va se battre contre le commandant Ginyu normalement. C'est même plus. Hop. Je trouve que je joue pas très bien là. En même temps, bon, ça fait un moment que j'ai pas joué. J'ai été plus rapide, haha. Espèce de naze. Vous avez passé une bonne semaine? Bah ouais, écoute, hein, je vais trop rouler dodo. Là, ce qui est plutôt bus. Bus dodo. Bus boulot dodo. Ouais, je pense que je vais monter de niveau avant d'arriver à la saga de Boo.
Le bus magique? Ah, malheureusement non. Et le bus tout court. Ah non, je me suis même pas battu contre Jinyu. Allez, hop. Faible Freezer, avant tu me posais du souci, mais maintenant t'es un peu nul quoi. Qu'est-ce qui prend cher là, le pauvre? Allez, tu vas connaître Super Saiyan comme dans le dessin animé. Voilà. Et on monte de niveau. J'augmentais capacité. Ça, c'est, j'ai l'impression qu'en fait, ça fait en sorte que les Kamehameha font plus de dégâts. Enfin, je sais pas. Blablabla, bla bla, on a compris. Je pense pas que j'ai un truc à faire ici de toute manière. On va prendre au pif. Super scène, mais je l'ai déjà. Qui es-tu? Mais je suis le guerrier légendaire. Ah merde, elle était plus rapide que moi. Assez rapide. Allez. Ah, raté. Ah, il doit avoir les nerfs. Tu vas mourir, oui. Lol, comment je l'ai tué quoi. Salut Hayato. Pas de soucis. Allez, sauvegarde la partie si tu veux. Et bah s'il y a du monde de présent, si je suis motivé, je suis pas trop crevé aussi du coup, parce que je travaille aujourd'hui, hein. Je ferai aussi sûrement un live sur Mass Effect peut-être. Tout dépendra de mon état et de l'ambiance générale du chat. Pire là, si j'ai un petit coup de fatigue, j'ai une petite canette de Red Bull là à côté de moi. On verra si ça fait son effet. Si vraiment je suis trop crevé. C'est pour ça que j'essaye d'aller quand même assez vite dans Dragon Ball. Après, à la rigueur, je peux juste débloquer Broly et faire son mode scénario là, sur sa route du dragon. Et puis il y aura un dernier live avec Oob. À la rigueur, on peut faire ça aussi comme ça.
Non, je mettrai pas ma webcam aujourd'hui. Par contre, là, je suis en train de me faire éclater. Éclater. Et merde. Eh, hey, je vais pas perdre, hein. Putain. Allez. Non mais ça fait un bout de temps que j'ai pas joué, du coup j'ai un peu perdu les bases là, mais ça va vite revenir. Voilà. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, mais tant pis. Allez, dégage par là-bas. Ah, putain, l'enfoiré. Là, il peut me tuer, hein, s'il arrive à faire son truc. Enfin, je pense qu'il peut me tuer. Ouais, il aurait pu me tuer, mais voilà. J'ai eu de la chance. Bon, 20 minutes que le live a commencé et j'ai pas encore terminé la saga de Goku. J'espère vraiment que le live Dragon Ball va pas dépasser les 1 heure. On verra bien, sinon tant pis. Donc là, je suis dans la saga de Bou. Et donc, c'est au moment où... Oh, attendez. Je vais laisser parler, donc je vais vous dire en même temps ce que je dois faire. Alors, il faut aller jusqu'à la saga Majin Bou au moment où Goku cherche quelqu'un pour fusionner avec les boucles d'oreilles. Juste après que Gohan soit absorbé, cherchez un point d'interrogation près de l'endroit où Goku commence sur la map. Une conversation avec Hercule s'enclenche. Désolé, j'ai été embêté. Donc oui, je dois me chercher une conversation avec Hercule. Et ensuite, on verra une fois qu'on aura trouvé Hercule. Oh, ça va me faire mal ça. Ah, ça... Allez, moi aussi, il me faut un Super Saiyan là. Allez, en deux. Ah,
Je sens qu'il veut me faire son attaque Big Bang là. Dégage. Donc moi je vais en profiter. Voilà, le pauvre. Il y a un très bon timing là. Ah putain, j'ai pas réussi à placer le dernier coup. J'aime bien les tuer avec des boules de feu toutes pourries. Donc là, de toute façon, faut que je me batte contre le gros bout. Ça sera pas avant. Ah bah, en parlant du gros bout. Ça se passe plutôt bien le combat là. Il commence à se réveiller. Il allait quand même le jeter son truc. Merde, j'ai cru qu'il allait mourir avec un seul coup. Ouh, ça va me faire mal ça. Il a bien joué le gros. Je dois faire le troisième ou le quatrième ennemi que je tue comme ça. Hop. Donc là, ils vont apprendre à fusionner, donc c'est pas encore tout de suite. Salut Kirsek. Voilà, donc on a donné. Alors attendez. Donc là, on est arrivé au passage où Gohan n'arrive pas à mettre la boucle d'oreille et je dois donc trouver Hercule qui est pas loin sur une zone point d'interrogation. Ah bah ça doit être ici. Eh, je sens une énergie très faible pas loin. Hein? Quoi? C'est Monsieur Satan incroyable. C'est le seul pas ici. Non, c'est une plaisanterie. Ah, quand bon, même si je fusionne avec lui, il est tellement faible que ça pourrait me diminuer. Non, 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 non. À un moment pareil, c'est tout ou rien. Monsieur Satan, prends ça. Hein? Cette énergie. Impossible. Qu'est-ce que c'est? Je me demande ce qu'il allait me donner. Donc voilà, j'ai trouvé Hercule. Une fois la conversation terminée, allez vers le point rouge sur la carte, mais ne commencez pas le combat. Mais il y en a deux points rouges. Cherchez l'endroit qui indique. Attendez. Allez. Une fois. Ah putain. Une fois la conversation terminée, allez vers le point rouge sur la carte, mais ne commencez pas le combat. Un autre point d'interrogation devrait apparaître dans cette zone. Bon. Écoutez. On va regarder. Ah là, il y a un point d'interrogation, mais est-ce que c'est celui-là? Et l'autre, c'est un point d'interrogation aussi ou pas? Ah putain, je sais pas lequel prendre.
Parce que là, il faudra que je recommence toute la saga si je me plante. Et si je fais sauvegarder et quitter? Vous pensez que je reviendrai là? Je sais pas. J'hésite, j'hésite. Bon, je vais tenter de sauvegarder et quitter. Voilà, on continue. Ah bah voilà, Kaioshin. Goku. Hein, Kaioshin, qu'est-ce que tu fais sur ce monde? Il y a quelque chose qui me dérange. Je sens une présence étrange, autre que Bou. C'est très maléfique. Je ne sens rien, c'est étrange. Mais je ferai attention. Merci, Kaioshin. J'espère que c'est juste mon imagination. Bon, je retourne au monde de Kaioshin. Prends soin de toi. Et donc ensuite, après avoir rencontré Kaioshin, une fois le dialogue fini, allez battre Bou. Une fois qu'il vous aura absorbé, Vegeta vous dira d'aller chercher Broly pendant qu'il s'occupe de Bou. D'accord. Ils ont intérêt à pas me dire des conneries. Attendez, j'ai eu un autre point d'interrogation. On va voir s'il n'y a pas un autre truc ici. Je sens une énergie relativement forte dans les environs. Ce ne serait pas Tenchinan par hasard? Blablabla, ok. On s'en fout. Bon, on va combattre Bou. Il va nous absorber. Enfin oui, du coup, on a les Potara. Il est vraiment puissant, Gogeta, quoi. Ah, n'importe quoi. Bon. J'espère qu'on va pas se planter. Parce que rappelez-vous, la dernière fois que j'ai voulu débloquer Broly, je m'étais trompé dans un endroit. Mais j'avais réussi quand même à me rattraper en débloquant autre chose. Je ne sais plus quoi d'ailleurs, mais. Voilà, j'ai réussi à bien me rattraper. J'ai eu beaucoup de chance. Et merde. Ouh, ça va me faire mal, ça. Putain, il va me tuer. Ah mon dieu. Ah, je suis mort. Logiquement, KO. Ah non, même pas. Double KO. Ah, magnifique. Bah, you lose quand même, hein. Mais bon, c'est marrant. Ah putain. Il est vraiment balèze. Ah bah là je m'en doutais. Je pense que pour ceux qui ont suivi depuis le début le let's play, vous le voyez quand même que j'ai plus l'habitude de jouer au jeu. Parce que je suis mauvais de chez mauvais. On va essayer. Putain, mais il a tout le temps du ki en plus, c'est chiant. Et dire, on va essayer au corps à corps, mais au moment où j'ai dit ça, il s'est mis en mode rage. Regardez, une barre d'énergie déjà, un petit peu plus d'une barre. Et là, waouh, j'ai pas réussi à me protéger. Je pense que je vais mourir deux fois. Hein. Je suis vivant. Allez. Faut pas que je rage.
Voilà, ça lui fait vraiment très mal. Donc j'arrive à les placer. C'est bon, il a plus beaucoup de ki. Et merde. Bon là, faut pas que je le laisse m'approcher. Allez, à mon tour. Viens là. J'espère que je vais réussir à lui faire plein de dégâts. Ah, il a fait un max. Ah, c'est bon, il s'est foiré. Ah, ça pique, hein. C'est pas la même chose quand ça t'arrive à toi. Putain, voilà. Tac. Et donc là, d'après la Solus, une fois qu'il vous aura absorbé, Vegeta vous dira d'aller chercher Broly pendant qu'il s'occupe de Boo. Ok. Donc faut qu'il m'absorbe. Il y aura encore un combat contre lui, normalement. Pas d'inquiétude, il s'est laissé absorber volontairement. Blablabla. Non, non, Matalia, ça c'est pour Oob. Là, on veut débloquer Broly. Et c'est pour Broly, pour Oob, c'est contre Boo Petit. Allez. Dégage. Jusqu'à la fin, je te frappe. Alors, tac, on s'en fout. Et donc là, il y a normalement Vegeta qui va me parler et qui va me dire... Va combattre Broly. Non, tout seul, tu n'y arriveras pas. Dans ce cas, il faut trouver un moyen de sortir Vegeta. Allez, attends, Sangoku. Essayons de faire sortir ce gros bout. Ah, arrêtez, ne touchez pas à ça. On s'en fout, on connaît. Pour ceux qui n'ont pas vu le scénario de Sangoku, je l'ai fait lors du premier épisode du Let's Play. Hein. Tu as pas augmenté la difficulté du jeu aussi. Quoi, cette énergie maléfique, ça pourrait être pire que Boo. Il y a quelque chose de bizarre par ici. Je retiens Boo, va à la source de l'énergie. Vegeta, pardon, déjà mort, si tu meurs encore, ton âme disparaîtra, ne meurs pas, Vegeta. Merci, bon, allons-y. Et donc oui, j'ai augmenté le niveau de difficulté qui est au niveau difficile. Je dois vite retrouver cette source pour Vegeta. Bon, c'est parti. Parce que même en difficile, je trouve quand même que le jeu est plutôt facile. Je trouve que pour un jeu de baston, il n'y a pas vraiment de challenge. Et donc voici Broly qui mesure 3,50 m. Toi, je te connais. Je vois, tu me cherches depuis très longtemps, n'est-ce pas? Ça me fait rire parce que dans l'anime en version française, il l'appelle Cachalot. Et c'est vraiment nul. C'était marrant. Allez, hop. Bon, Broly, il faut vraiment que je fasse attention à lui parce qu'il est très puissant. Allez, hop. Yeah.
Ah, c'est plutôt cool parce qu'il a pas beaucoup de ki. Ah merde, recharge. Je recharge. Allez, hop. Yes, j'ai réussi à lui placer. Donc si je le bats, je le débloque, tout simplement. Par contre, je dois terminer tout de même l'aventure, la route du dragon pour le débloquer. Et normalement, il est mort. Ah bah non. Tu vas mourir, oui. Quoi? Un raté. Raté. Allez, je vais te faire vomir. Allez. Non, ça, le combat a été... Enfin, j'ai plutôt bien géré. Donc on monte encore deux niveaux. Je pensais pas augmenter autant de niveaux étant donné que j'ai déjà terminé le jeu avec le perso. Bon, on passe, on s'en fout. Et donc, ah bah non, j'ai pas besoin de terminer le mode scénario de Sangoku. Je vais le faire quand même. Puis je vais tenter un truc. On va voir si je peux débloquer... attendez, je vais voir pour Oob ce que je dois faire. Parce que c'est dans la même saga. Donc ça se trouve, la soluce n'est pas forcément bonne. Oob. Alors, ah non, Oob, c'était sur jeuxvideo.com que j'avais vu ça. Alors du coup, c'est sur le PC, c'est pas sur mon iPhone. Alors Oob, Oob, Oob. Où es-tu, Oob? Mon du dragon. Alors Kaioken, Super Saiyan 1 et Super Saiyan 2. Déjà, il faut que je retire le 3 donc. Donc Super Saiyan 3, tu dégages, on va te mettre le point du dragon à la place. Ensuite, en quittant le combat contre Bou Petit... Donc ça, vous devez battre Bou Petit en utilisant le Genki Dama au dernier moment. Jusqu'ici, tout va bien. Faut juste que j'arrive à le placer. Il va pas falloir que je me fail. Allez. Merde, du coup j'ai pas remis le chat. Hop. Je ne vous vois plus. Bah je vais tenter, on verra bien, Matalia. Ça se trouve, je pourrais faire les deux en même temps, du coup on gagnera du temps. Championnat du monde? Eh Vegeta, on dirait que tu es prêt. Pas si fort. Ah en fait, Vegeta a battu Bou quoi. Vite, cachons-nous derrière ces buissons. Quoi? Oh, je comprends. Quand il faut y aller? Faut y aller. Silence. Tu penses que je vais danser comme un idiot devant tout le monde? Viens vite. Ah oui, ils vont fusionner. Tu as raison, c'est bien mieux. Allons-y, Vegeta. Fusion. Bien, allons jouer avec les enfants. Et donc on débloque Gogeta par la même occasion, ça c'est plutôt cool. On est meilleur que vous pour la fusion, on ne vous laissera pas gagner juste parce que vous êtes nos pères. Doucement les garçons, les vieux ont plus d'un tour dans leur sac. Ah, j'avais oublié ce petit combat. Gotrunk est ultra rapide. Ah, mais j'y arrive. Je vais pas perdre face à Gotrunk. Aïe. Eh bah si, j'ai perdu face à Gotrunk. Ah, enfoiré. Tu peux le débloquer, Gotrunk? Oui, oui, on est jouable. Enfin,
On peut pas le débloquer en tant que personnage, c'est une transformation. Ah putain, mais il est trop rapide quoi. Déjà 2 barres de moins d'énergie. Je pense qu'il va m'éclater. Allez, on va tenter un truc. Ah l'enfoiré. Hey, pourquoi je suis pas mort? J'avais plus d'énergie, il m'a frappé et je suis resté en vie. J'ai pas vraiment compris. En fait, ce qui est dur dans ce combat, c'est que on a tous les deux du ki à l'infini. Et du coup, bah, ça change tout le gameplay. Ah, j'ai réussi à placer un coup sans le vouloir. Allez, 1 barre d'énergie en moins. Ah merde. Bon. Toujours ça en moins. Non. Fait chier. Ah ça va, j'ai réussi à me protéger, donc du coup normalement c'est à lui que ça va infliger des dégâts et pas à moi, parce que la technique de Gotrunk c'est comme ça. Voilà, je l'ai eu. Et je n'ai rien contre Gotrunk, c'est juste que c'est pas un de mes personnages favoris. Putain, il fait monter vite de niveau lui par contre. Hop. Et donc du coup, maintenant on va faire la saga de Broly. Oh, si je n'avais pas aussi mal au ventre, on vous aurait écrasé. Hé, ne commence pas à chercher des excuses, on dirait Monsieur Satan. Et donc là, on a la fin basique qu'on a déjà vue, donc je vais la passer. Et donc on a débloqué Broly qui lui, contrairement à d'autres personnages comme par exemple Cell ou Freezer, n'ont pas de mode histoire dans le jeu. Et maintenant, donc avec Broly, logiquement il s'est ajouté dans le mode histoire. Et il nous restera ensuite un autre personnage à débloquer qui est Oob. Et puis bah ça je vous demanderai en fait une fois qu'on aura terminé le mode histoire de Broly que voici. Si vous voulez que je refasse la saga de Sangoku pour débloquer Oob ou si vous voulez un autre live plus tard. Donc là pour débloquer Oob je dois faire pareil que tout à l'heure. Je dois aller jusqu'à la saga de... Ah bah non, je suis con, je la fais pas tout de suite. Là, donc j'ai... J'étais parti là dans le fait de... Comment ? De débloquer Oob. Mais non, là j'ai juste à jouer normalement. Sans me prendre le chou. Je vais pouvoir vous montrer la toute puissance de Broly. Hein? Ah, qu'est-ce que tu crois? Ce que tu fais là est impardonnable. Donc, premier combat contre Videl. Combat complètement inégalé. Inégal, plutôt. Non, je sais plus comment on dit. Allez, prends ça. Yeah.
Oh la pauvre. Mais elle a pas peur n'empêche. Hein. Non. Voilà. Elle a essayé de résister. Là je suppose, ouais. Je monte pas mal de niveaux. Ouais, on va plutôt faire comme ça. Les capacités pour le moment. Combat inégal, oui. Vas-y, écrase-la. C'est fait. Mais je suis la fille du champion. Je suis un putain de psychopathe. Ah, Sangoku, Sangoku. Voilà, il sait dire que ça, Broly, hein, c'est plutôt facile à lire. Hé, hey, l'affreux, je déteste quand on me réveille tôt. Le Broly, quoi, c'est le gros débile de service. À mon tour. Ah merde. Voilà, ça c'est fait. Allez, tu veux pas mourir là, s'il te plaît? Oh, enfoiré. Tu passes un Goten après, pitié. Je crois qu'en plus après c'est sans Goten. Dans la logique, c'est ça. J'ai réussi à me protéger. Alors, est-ce que les petites boules de feu vont le tuer? Attention! Là, elles sont pas si petites que ça avec Broly. Eh ben non. Et il me fait chier le petit. Merde. Voilà. Petit coup de poing tout pourri. Il donne beaucoup d'expérience. Hein. Mais non, tu arrêtes de te battre contre des enfants, un géant qui se bat contre des enfants, pas juste. Et contre une fille, vous avez rien dit tout à l'heure. Gaaaah! Mais d'où vient-il? Il est tellement puissant. Cachalot! Ouais, voilà, hein, je vais arrêter de me répéter. Mais non, c'est pas cachalot. Quoi? Des carottes? Désolé, je ne sais même pas de quel goût. Je ne sais même pas quel goût ça. Ok. Et on commence, on n'a pas de cul. Pour ça. Cachalot. Allez. Merde, je fais une connerie. Avec Broly, non, il n'y a pas forcément besoin de ki parce que le ki remonte tout seul pratiquement, les 5 barres remontent naturellement. Ah bon, c'est marrant. Ah, 3 niveaux d'un coup. Oui, oui, oui. Cachalot, cachalot. J'ai juste allé au point d'interrogation qu'il y avait ici, parce que j'ai une technique de Broly que j'aimerais bien avoir, et que je n'ai pas. Ah, oh, une boule de cristal. On fout.
Ah, je vais me battre contre qui maintenant? Sangwan? Ah non, bah j'ai peut-être la technique. Ah voilà, bah c'est celle-là que je voulais. Nickel. Serait-il le Super Saiyan de la légende dont vous avez parlé, le Trunk du futur? Je suis un gros débile. Bat ton ennemi. Ok, pas de problème. J'arrive pas à lancer son attaque en mode rage. J'étais plus rapide. Oh, vas-y. Tiens, prends ça. C'est vraiment un monstre Broly, quoi. Bon. Hop. Je pense que on va juste augmenter la santé et sa puissance d'attaque. Ce sera amplement suffisant. Espèce de... Inutile, je vais mettre fin à tes souffrances. Je ne pourrais pas gagner comme ça. Il ferait mieux de battre en retraite pour réfléchir. Ouais, on va réfléchir, c'est ça. Par contre... Voilà, je n'ai pas la technique. Et là, il me reste une place. On va mettre... Carapace de tortue. Le truc, il n'est pas censé mettre ça, Broly. Hein. C'est pas l'élève de tortue géniale. Je suis un psychopathe. Je ne pourrais pas toujours compter sur mon père. Tu comptes vraiment me battre? Allez, je vais essayer de lui faire mon attaque météore là. Voilà. Bon, maintenant faut y arriver. Et je l'ai raté. Bon, c'est pas grave. Ah bah non, je lui fais même pas de dégâts. Ça fait 13 hits, mais pas de dégâts. Ah si. Bah c'était pas affiché les dégâts, c'est bizarre. Normalement, c'est censé être affiché. Allez, on réessaye. Ah, j'ai peut-être réussi, ouais, c'est bon. Voilà, on fait exploser la terre parce qu'on est des psychopathes. On augmente encore de 3 niveaux, décidément, c'est la fête du slip. Gohan utilise toute l'énergie qu'il te reste. Père, ok. Kamehameha. Kachalo. Et voilà. Comment je suis mort. Famille de Goku de Budokai 3. Grâce au conseil de son père, Gohan put anéantir Broly avec son dernier Kamehameha. Le tenace Broly fut ainsi finalement stoppé par Gohan, le fils de Goku. Donc on
débloque Goku petit qui est jouable uniquement en mode deux joueurs. Donc, est-ce que vous voulez que je fasse la saga de Oob, enfin de Sangoku pour débloquer Oob et ensuite faire le mode histoire de Oob, ou est-ce que vous voulez que j'arrête là et qu'on commence Mass Effect? J'attends pendant le générique vos réponses. Je vote Mass Effect, Mass Effect. Non, il n'y a pas Bio Broly Hayato dans Budokai 3. D'ailleurs, Bio Broly, je sais même pas s'il apparaît dans un jeu vidéo. Dragon Ball. Donc vous voulez tous du Mass Effect? Bah, je vous dis alors, je vous donne rendez-vous à allez, 21h40. Le temps pour moi de tout préparer. Et puis bah, je vous dis donc à tout de suite. Restez présents, hein. On n'a pas pour longtemps, se trouve ce sera avant 21h40. Donc voilà, sauvegarder la partie, oui bien sûr. Et je vous dis à tout à l'heure. Enfin à tout de suite même. Bye bye. Enfin à toutes. Enfin voilà, bref. Ciao.